Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 411, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Mirror's Edge 2, ou plutôt Mirror's Edge Catalyst, mais je l'appellerai comme ça maintenant. C'est un très gros jeu que j'attendais depuis pas mal de temps, donc nous allons pas perdre de temps, on va continuer directement, enfin on va commencer directement ce petit let's play, avec l'intro principale. À terre, tout de suite. C'est super. Je courrai pour vous, Dogan. Mais Noah ne doit pas savoir. Tu me dois beaucoup de crédit, Face. J'attends que tu tiennes ta promesse. Face, Kat, où êtes-vous? Oh. À chaque journée, ses promesses. Au lieu de les gaspiller, profitez d'elles pour vous épanouir. Et ouvrir de nouveaux horizons à votre carrière. En devenant bosseur de la corporation de votre choix, vos possibilités sont sans limite. Pour réussir, il faut libérer son potentiel intérieur, et c'est en travaillant sans relâche qu'on y parvient. En tant que bosseur, vous devez donner le meilleur de vous-même. Dernier jour, hein ? C'est vraiment qu'on allait te garder, ma vermine. Récompensons le travail. T'es sûr que tu veux pas rester 3 mois de plus? Punissons la paresse. Quel dommage. La liberté individuelle a un prix. Allez, amène-toi. La journée sera longue. Notre belle société attend de chaque bosseur qu'il participe à la corporation de son choix. A purgé une peine de 12 mois à l'oubli de 9 mois supplémentaires pour de multiples faits d'insubordination. Si vous n'êtes pas jugé, prête pour libération conditionnelle. Mais si ça ne tenait qu'à moi... La politique vise à garantir votre sécurité. Méfiez-vous de tout contrevenant à la politique. Une fois libre... Vous devrez tout de suite chercher un emploi et vous serez surveillé grâce à votre gridlink. À défaut d'avoir trouvé un emploi sous 14 jours, vous serez transféré dans les terres grises. Comprenez-vous bien le conseil ces conditions. Conglomérat vous fait sortez-moi juste d'ici. Travaillez dur et vous serez... Elle est fraîche, hein. Le par le vestiaire de gauche, Vermine. Et bénéficier de richesses bien méritées. Ah, déjà, elle est quand même plus classe comme ça. Hein. T'as le bonjour de Dogan. Profite de ta liberté. Nous y voilà donc. En tout cas, c'est un jeu que j'attendais depuis pas mal de temps, là, je vous avoue. J'étais vraiment impatient d'y jouer. Alors, on joue à Mirror's Edge, hein, en ligne, automatiquement. D'accord, on s'en fout un petit peu. Ok. Alors, attendez, je vais juste faire un truc par contre dans les options. Vidéo. Donc, je vous couperai tout ça quand même. Ok, donc c'est bon, tout est réglé. Donc, nous allons pouvoir jouer. Ouvre-moi la petite porte, mon chou. Merci. Cool. Ok. Attends ton tour, bosseur. D'accord. Maintenant, Face. Par ici. Par ici. Ah, bonjour. Suis-moi. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Icarus. Noah m'envoie. Pourquoi je te croirais? T'as pas vraiment le choix. Je connais cette voix française. Ne traînons pas dans les rues. Un Pulse Link? Mais... Mets-le. Il faut que tu te connectes et que tu te calibres. Noah est très impatient de te parler. D'accord. Chez Elysium, vous êtes la priorité. Qu'est-ce que... Dépêche, il faut pas qu'on traîne. Configuration du profil. L'amélioration, sans chez Elysium. Y'a un truc qui va pas. Qu'est-ce que c'est que toutes ces données, hein? Les
Ah, pardon, encore un truc. On va couper ton Gremlink. Ça produit des interférences. C'est ça que les bosseurs voient tout le temps. Je suis pas assez réformé pour apprécier. Pas réformé, tout court. Ça y est, tu es hors grille. Oh. Réalité virtuelle augmente. Oh. Temps de remonter. 40%. Ok, donc là, vas-y, faut que je te suive, ma couille. Ok, maintiens L1. Ok, d'accord. Oh. Si on traîne, Cassette nous chopera tous les deux. Je passe de l'autre côté. On se retrouve ensuite. Noah, elle est sortie. Oh merde. Oh non. Elle est regrette. Ah bah, je m'en suis douté. Ok, faut que j'ai un petit temps d'adaptation. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué hein, au Mirror's Edge, hein, j'avoue. Facile à dire, ça, Noah. Je suis con, celle-là. On s'en charge. Face, t'es pas loin. Ok. D'entrepôt désaffecté. Dès que tu le vois, tu y entres. On s'occupe du reste. Ok, ok, donc là c'est L2. Ah d'accord, je comprends. Pas de soucis, maintiens L2. Oh. Oula, on me suit, on me suit. Il se passe quoi là? Alors, classe corps à corps, attaque légère, d'accord. Ouais, on la tient. Non, je vais gérer. Je vais te casser ta gueule. Ok, c'est carré. Yalla! Tiens, mange, mange! Oh, je t'explose ta gueule, moi, tiens! Ouh! Ok, ça c'est badass. Ok, bon. Ok. Ok, il suffit juste que je saute. Ils allaient t'envoyer dans un nutridome d'état gris, Space. Il fallait continuer. Ah bon? Couper ton Gremlink, faites-toi une fugitive, mais on s'y attendait. Ouhou! Traverse l'entrepôt en suivant l'écho des messagers. Icarus t'attendra à l'autre bout. Normalement, tu seras tiré d'affaire. Ok. Essaie déjà de traverser cette vieille bâtisse. On verra. Hop là. Ça fait bizarre de ne pas sauter. Merde, R2. Ton pulsling va se calibrer en cours de route, Face. Je disais, ça fait bizarre de ne pas sauter avec la croix, quand même. Oui, dans tous les jeux, c'est à peu près ça. Oula, attendez. Un mandat de recherche. D'accord, ok. Phoenix Carpenter. Jeune femme tatouée au visage. Ah, ok. Prenne pas trop de pincettes, finalement. Phoenix Carpenter. Ouais, Dogen lui a fait une fausse grid print quand ils l'ont emmené. Maintenir L1. Ça peut nous servir pour ok, d'accord, je comprends. Un petit peu les touches, là. J'ai vu passer un adab. En clair, Kassek montre l'écran. Continue d'avancer. Ça, c'est bon. Ça déchire, ça déchire. Ah, est-ce que je voulais ce jeu? Oh là 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 là. Ça fait un petit moment que je l'attendais, là. Pouah. Ça fait trop plaisir. Ok, donc là, je glisse là-dessus, j'attrape la truc là-haut. Yalla! Ok. Oh merde! Mais non, j'ai rien fait, j'ai rien fait! C'est lui qui est venu me chercher! Vous bat les couilles, j'ai rien fait. Wouhou! Oh la vache. Ok mon gars. Ouais. Ah non d'accord. Ok. Ça fait un bail qu'ils ont choisi leur camp, Icarus. Oula attention. Oh ok, faut que je glisse. Oh merde, je l'avais pas vu lui. J'ai été éclaté moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Je lui ai éclaté ses dents, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'arrive pas... Ah, voilà, d'accord, j'arrive pas à ouvrir, j'avais dit. Oh, il m'a fait peur, lui. J'avais demandé gentiment, mais il voulait pas s'écarter. Le problème, c'est qu'ils savent par où t'es passé. Comme si j'avais eu le choix. Bref, il faut se tirer d'ici. Changeons d'itinéraire pour la tour Everdyne. Dispersons-nous encore. Déjà, c'est super joli, je trouve. Si tu peux traverser pour rejoindre ces tuyaux? Bien sûr. Bien. En principe, ton pulse link est calibré et ton sens urbain fonctionne. Suis le rouge et on se retrouve à la tour. C'est parti. C'est vraiment super joli, quoi. Je regarde la ville, là. On va y regarder un petit peu du temps. Là, enfin. Alors, calibrage de votre fichage pulse, c'est terminé. Appuyez sur R3 pour laisser le sens urbain vous montrer la voie. Ou... d'accord. Ah non, c'est vraiment sympa, hein. Ok, d'accord, donc en fait,
Wouhou. D'accord, en fait, si je veux, je peux l'enlever. Ok. Wouah. Oh putain, ça fait mal. C'est un truc doux, c'est bon. Voilà, je suis comme un gosse quand j'ai un nouveau jeu, là. Désolé, peut-être pour ceux qui n'aiment pas ça. Je vais peut-être prendre un autre itinéraire vers la tour. Mais j'avoue que je suis comme un enfant quand j'ai un tout nouveau jeu, je le décortique, c'est génial quoi. Oh putain. Wouhou. Tu te diriges vers le chantier d'un immeuble de bureau. Oh merde, qu'est-ce qu'il fait là? Tiens. Merde, j'ai raté totalement. Tiens. Bah merde alors, tiens, mais qui tu veux toi? Ok, tac, hop. Y'a pas de je me rends, mon gars, je t'éclate la gueule. Pas pour toi. Oh, vraiment, tu me fais peur. Hop là. Attends, hop. Hop là, voilà. Maintenir. Ok, quand je maintiens, je peux ressauter après. Wouhou. Aïe, je me suis peut-être cassé une jambe, là. Oh, merde, merde. Oh, putain, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais cassé la gueule. Ouf, c'est parfait. Y a des cassettes partout. C'est quoi, des cassettes? Hé, hey, la tyrolienne. C'est quoi, ce délire? Attends, j'y étais, là. Oh, putain, la merde. Tu vas me dire que je pouvais pas attraper la tyrolienne, il fallait que je fasse cette chose un petit peu avant, non, peut-être? Ou j'ai peut-être un peu sauté, trop sauté dans le vide, en fait. J'aurais dû faire attention. Ok, ok, donc on passe par là. Y a des cassettes partout. Comment je monte à cette tyrolienne? Est-ce qu'il faut que je monte là-dessus, hein? Non, bah non. À moins qu'il faut que je fasse ça. Ah bon, j'ai eu peur. Ok, ok, doucement. Oula, oula, doucement. Eh, c'est chaud là, hein. Je crois que je les ai sommés. Ouais, je suis pas sûr, hein. Tes deux années de tôle t'ont rendu encore meilleur, on dirait. Allez, file vers Orion. T'inquiète pas, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis meilleur que ce que tu crois là. Alors attends, tac. Wouhou. Ah d'accord, il faut que je te rentre là-dedans. Tiens, il m'a fait peur ce con lui. Bon, au moins t'arrives avant l'aube. Tu es qui au fait? Tu es depuis longtemps dans la cabale? Il y a environ un an. Moi j'ai grandi avec eux. Alors si tu pouvais me lâcher un peu... Tu t'es quand même fait choper. Et Noah a eu plein de problèmes après. Tu sais pas ce qui s'est passé. Je sais l'essentiel. Et puis, je suis plus rapide et plus prudent que toi. Faith, est-ce que t'es à Orion? J'y suis. Discute avec le nouveau et sa grosse tête. Arrêtez, vous deux. Écoutez, on n'a plus le choix. Pour s'en sortir, il faut passer par la tour Everdyne. Vu le dispositif de Kasek, il va falloir les combattre. Icarus, t'envoies le mode de combat sur le pulsling de Faith. Ok, ça y est. Bien. Faith, avant de continuer, sers-toi du mode pour rafraîchir tes aptitudes au combat. J'aurais bien aimé qu'on n'en arrive pas là, mais je crois qu'on n'a pas le choix. T'en fais pas, Noah. Je peux le faire. J'en suis sûr. Je connais sa voix du mec, là, de lui, là. C'est la voix qui utilise dans Spider-Man, là, Amazing Spider-Man. Ok, triangle. Ah merde, attends, j'ai raté. Voyons. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voyons. Ok. Attends, non, c'est raté. Hein? Attends, j'ai peut-être pas tout suivi, attends. Non, c'est pas celui-là, il faut faire ici, là. Attends, c'est comme ça? Ah oui, d'accord, excuse-moi, je viens de comprendre. Ok. Ok. Ah d'accord, c'est bon, en fait, j'ai tout compris. Par contre, ça n'a pas marché, voilà. Ok, donc là, il se persécute. Eh, c'est pas évident au départ d'apprendre toutes les touches, là, quand même. Ils communiquent moins chez Kasek, mais ils savent que t'es dans le coin, Faith. Et ils savent aussi que tu ne peux sortir que par la tour. Ah,
J'ai tellement l'habitude de sauter avec les croix, hein, que du coup... Boum! Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je t'éclate ta rondelle. Tiens, mange. Ouais, comme je disais, du coup, c'est la voix de... Eh merde, raté. C'est la voix du mec dans Amazing Spider-Man. J'ai perdu son nom de comédien, par contre. Mais j'adore ce mec-là, hein. C'est vrai que c'est... J'aimerais bien le rencontrer, j'avoue. Attention. Il est souvent utilisé dans les jeux vidéo, et dans les films aussi. Yalla ! Tiens ! Toi, je t'éclate ta gueule, hop, hop. Boum ! Allez, hop. Je crois vraiment que ça me fait... Alors, voulez-vous continuer ou refaire les didacticiennes? Alors, je continue, n'importe quoi. Tu as toujours été une sacrée combattante, Face. Ça va aller. Bah, bien sûr. Non, j'ai raté. Bah, merde, alors. Alors, attendez. Voilà. Ah d'accord, il faut péter la fenêtre. Ah, vas-y, moi je vous éclate, là, direct. Là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu peux y arriver, Face. Boum! Tiens! Oh oui, j'esquive. Bon, bah les couilles, moi je t'esquive aussi. Classic a parlé d'envoyer une certaine unité spéciale. Peut-être un nouveau type de drone, par exemple. En tout cas, okay. Faites attention. Ah bah non, mais... Pourquoi se prendre la tête alors qu'il y a des escaliers? Mais je suis con, moi. Hop là! Boum! Bitch! Ok, alors toi, mon gars... Tiens! Ok. Ok, ok, ok. Ah, oh, attends, toi, mon gars. Tiens, boum! C'est bon, il n'y avait qu'un seul, ouais, c'est bon. Alors, toi... Ouhou! Merde, j'arrive pas! Bon, c'est pas grave, je t'éclate comme ça. Bon, déjà, le système de combat, il est vraiment stylé. On s'y croirait, quoi, en fait. Le fait d'être à cette première personne, ça rend vraiment bien le truc. Alors, toi... Ah bah non, mais en fait, c'est... Oula, c'est qui ce gars, là? Oh, il est stylé! What? Oh, merde! Il m'a mis une tôle! Négatif, contrôle, pas de visuel. Impossible qu'elle ait survécu. Aucun signe de vie? Alors elle est morte. L'équipe de nettoyage s'occupe du corps. Allez, j'ai mieux à faire. Ouais, elle a eu tout le monde. Envoyez une équipe médicale tant que vous y êtes. Moi, je m'en vais. Oh oh. Pas de bruit, rien. Beau gosse. T'as quand même pas cru que t'allais te débarrasser de nous comme ça aussi rapidement, toi. Ah, d'accord, du coup, je repasse au même endroit. Sauf que cette fois-ci, le mec sera plus là. C'était tendu par moment, mais t'as vraiment assuré, Face. Oh oh. Ça devrait pas te surprendre de devoir énerver Kasek à ce point. C'est quand même ta spécialité. Il faudra qu'on fasse attention à cette unité spéciale à l'avenir. On dirait que j'avoue que le mec, il était... Oula. Le mec, il était en mode vénère, quand même. Hein. Ah, bah pardon. En fait, je pensais qu'il fallait descendre, mais non. Tu nous trouveras au Zephyr Transit Hub. Oh, j'arrive, ma couille. Y'a là. Pour l'instant, ça va, je pense, merde. Je commence à prendre un petit peu le rythme.
Mais bon, c'est comme tout, hein, c'est un truc à prendre. Un coup de main à prendre, quoi. Ah, c'est vraiment très très joli, quoi. Mirror's Edge, Cup Catalyst. Vraiment excellent, quoi. Vraiment, vraiment très beau, quoi. Ouais, je suis là. Explore la ville. Wow, attends. Wouhou! Reviens à la base. J'arrive, Makoui, t'inquiète. Alors, pour les générer de concentration a été créé un bouclier qui vous permet d'éviter les blessures combat. Ah d'accord. Ok, donc je dois avoir quelques compétences. Ah, j'ai un bouclier maintenant. Ok. Maintenez 1 et R2 pour effectuer une projection pour rien. Je vais commencer à courir. Ok. La jauge elle se remplit petit à petit, d'accord. Ok. Maintenez votre vitesse pour remplir votre jauge, je comprends. Je suis en train de traverser la tour. Le temps de faire une petite livraison et je te retrouve plus tard, Noah. Ça marche, Icarus. On a une partie à terminer. Oh merde! Bon, c'est pas grave. En t'approchant, tu j'ai mal sauté sur le mur. Suis-les jusqu'à la maison. Et on verra comment te remettre dans le bain. J'ai une mission qui devrait faire l'affaire. Oh, putain, j'ai cru que j'étais sur le point de me casser la gueule, là, quand même. Voilà. Mission, libération terminée. Premier trophée. Faut vraiment que je vais te le dire. Non mais il est fou lui. Je vais lui éclater sa gueule. Bonjour. Parlez à Noah. Ouais, elle est charmante quand même. C'est là que tu dois aller. Quatrième étage, ok. Alors Noah. C'est là que le point d'accès te permet. Ça pulse. Il paraît qu'une messagère a été libérée aujourd'hui. Et elle veut reprendre du service. Oui. Après une longue absence. Elle est désolée à ce qu'on dit. Peut-être qu'elle a pu méditer pendant son absence. Peut-être. C'est mignon. Oh, vous n'allez pas pleurer quand même. T'as vieilli. Ah, va chier. Va chier. Sympa chez toi. Ouais. Je peux rester un peu. Bien sûr que tu peux. Et sinon, cette mission? Vois ça avec Birdman. C'est lui qui t'expliquera tout. Le nouveau. Il a l'air un peu coincé. Icarus? C'est un bon gamin. Y a pas de meilleur messager. Pas meilleur? Va parler à Birdman et on verra. Je vais te montrer c'est qui la meilleure. Dogon me souhaite bonne chance. Ouais. On s'occupera de lui en temps voulu. Mais allez. Pour l'instant, épate-moi. Pas de soucis. C'est vrai qu'il est un petit peu... C'est bizarre, je me rappelle pas de lui dans 1. Je me rappelle pas de ce voilà mec. Un petit paquet pour toi. Je pense qu'il te fera plaisir. Oh! Alors, je vais peut-être pas mettre de musique, ça craint pour les droits. Ah, oh, des fringues! Oh, c'est classe! J'ai mis à jour ton pulse avec le mode garde de glace. Ça facilitera tes déplacements et le repérage des petites missions dans la ville. Attends, quoi? Pour acheter une nouvelle mission, appuyez sur le. D'accord, sur le pan. Déjà, elle est plutôt classe comme ça. Hein. Alors, vous pouvez trouver dans cet écran le récapitulatif de la mission de Face. Ok, ok. Oh, c'est quoi ça? Pour gagner des points d'amélioration, il faut que vous cumuliez des points d'expérience, forcément, grâce aux différentes activités présentes dans toute la ville. Dans toute la ville, chaque amélioration requiert un point d'amélioration. Achetez la carte Pulse maintenant.
J'ai un point de compétence, mais... Ah, ben voilà, ben c'est ça. Ok. Déjà, la carte, elle est, mais wow! C'est stylé, sa race, la carte. D'accord, donc là, j'ai un point ici, information. Définir l'étape. Ok. Oh, c'est quoi cet endroit? Le roi sera content de te voir. Wouhou. La ville change, mais lui, c'est un rock. Il est immuable. Ça glisse d'ouf. Ah, te voilà. Bonjour. Vous voulez quoi? Oh, juste regarder, avant que tu te fasses amocher. Tu sais, Duggan veut être payé rapidement. Il le sera. Ouais, j'entends bien. Allez, du balai. Ok, donc on va y aller. Ah, qu'est-ce que c'est classe la ville là quand même. Alors comme ça ma meilleure amie sort de prison et elle vient pas me voir. Hey, oh oh. Comment ça va? Bien mieux depuis que tu es sorti. Surtout que comme par hasard, j'aurais besoin de ton aide. Birdman. Ouais, je sais. Allez, ce vieux machin peut bien attendre. Yalla, c'est à toi de voir. Pour me trouver, regarde ta carte. Oula, c'est qui ça? D'accord, bon bah c'est bon. Ok, donc j'ai une autre mission, je vois, il y a un autre de ses potes. Voilà. Bon, je vais peut-être enlever tous ces trucs de rouge, parce qu'en fait, ça fait vraiment trop d'assister, c'est vraiment... Hector a fini avec Birdman, on verra comment arranger les choses avec Duggan. Et on pourra tous repartir du bon pied. Ok. Ah merde alors, j'ai raté mon saut. Hop là. Je pense que ça fait peut-être un petit peu la tristité. Je verrai voir ce que ça donne quand ça sera pas assisté du tout. Ok. Tu es... On va parler à ce mec. Alors, nous avons en fond... Faites partie du premier viager en veille. Vous aurez quelques heures exercices à vous rendre pour permettre de faire des épreuves. Ok, d'accord. Hey, doucement. Ma porte n'a rien fait. La patience n'est toujours pas ton fort, Face. J'ai cru que tu faisais un somme. C'est bien ce que font les vieux, non? Surveille ton langage, ma petite. J'aurais donc eu 2 ans de paix et de tranquillité. Ouais, tu m'as manqué aussi. Noah veut que je te teste. Je lui ai dit que je n'en ferai rien. Mais j'ai une mission pour toi. Idéale pour te tester. Impeccable. Tu as déjà mangé, Calliope. Fous-moi la paix. Des ventres avec des ailes. Ils ne me lâchent pas. Mais ils sont utiles. La patience n'est toujours pas ton fort. Ouais. C'est ce que je me dis aussi. Maintenant du balai. Montre aux autres messagers que tu as ton utilité, toi aussi. C'est bien. Quel connard! Mais quel petit PD! J'imagine que Birdman t'a proposé une course. Je crois même savoir laquelle. Je l'ai faite tellement de fois à l'époque. Je pourrais y aller les yeux fermés. Yalla! Ok, moi je te montre, moi. Encore une chose, Face. L'itinéraire indiqué n'est pas toujours le meilleur. Tu dois atteindre l'objectif en un minimum de temps, peu importe le chemin que tu prends. D'accord. Ok, d'accord. Donc je vois ce que c'est comme mission. C'est la petite carte pour de... Oula, je me suis pété une jambe, là. Même ton cul, grognasse. Allez, allez. Hop là, ma gueule. Moi qui chie, je te montre. Dépêche-toi, dépêche-toi, il faut qu'on essaie d'avoir les 3 étoiles. Allez. Dépêche-toi, grosse mâche, allez, mec, ton cul. Il reste 7 secondes. Et voilà, 3 étoiles, boum. Comme ça, on rigole plus.
Nouveau meilleur temps, j'ai fait 39 secondes. 39 secondes, je fais partie des top 35%, attention hein. C'est pas mal. Non mais lui, 21 secondes, je sais pas comment il a fait. Hein. Le mec s'est téléporté, quoi. J'ai vu ton temps sur le Pulse Face. Pas mal. Pas mal. T'es encore dans le coup. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Oh, attends, il y avait un chemin par ici. Voilà, je suppose. Bon, du coup, nous allons nous en arrêter... On vient de déjouer tant bien que mal une attaque de Kruger sec sur le Pulse. J'attendais le truc. Un gros paquet de données qui fuit dans toute la ville par le grid. Espionne tout ce que tu pourras, et on pourra reconstituer les données. Ok. Donc on va juste se diriger ici. C'est quoi ça? Il faut que j'en trouve une... Enfin, faut que j'en trouve 21. Ok, donc on va aller voir ce mec. C'est un vieil ami, on va lui parler. Tombe pas, hein? La voilà, en personne. Et de belles fringues. Merci d'en avoir pris soin. Comment ça va? Moi, tu sais, vivre, survivre... Tu m'as manqué. Ah, n'en fais pas trop. Alors, que puis-je pour toi? C'est au sujet des hors-castes des Terres Grises. Ils préparent un système qui donne l'alerte en cas de descente. Oh, je peux bouger. Mais il leur manque des puces de commande. Les mêmes que dans les boîtiers relais Holcomm. Puces de commande, boîtiers relais. Ok. En volant ces processeurs, en plus de pourrir la vie à Holcomm, tu aideras les hors-castes. C'est dans tes cordes? Bien sûr. Tu me connais. Toujours prête à dépanner. C'est ça, fais ta maline. Moi, je sais pourquoi on t'a bouclé. Ouais, j'ai été stupide. Je les trouve où, ces boîtiers? Pas loin d'ici. Je vais les marquer. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Bon, du coup, nous allons nous arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera, pour ceux qui veulent suivre, bien sûr, mon let's play, dans la suite de Mirror's Edge Catalyst. Je vous dis donc, à plus tout le monde!